Il a été stoppé par des mecs, ouais. Allez, ils sont partis pour ce prix AFA Sec avec des poneys de taille inférieure à 1m40. Le 3 Etherton Gita a donc été déclaré non partant. Et c'est le 13 Touch Power, Lucy Groal, qui a pris le meilleur départ devant le numéro 11, Telino Michu, monté par Gaston Mérienne. On retrouve en troisième position le 10 Shoot for the Stars avec Arthur Ferland, qui maintenant est troisième, alors que le numéro 7 Montini et Kieran Vio Fitzpatrick qui se retrouve en quatrième position. Kazakh Blanche ensuite s'est jubilé des Vallon avec Léa Degnaud. On retrouve ensuite l'As Brooklands Van Zwarigny avec Hugo Azoulay qui vient toujours à l'intérieur, alors que le 8 Etherton Pandora monté par Philippine Madamé patiente en léger retrait. Le numéro 5 Pinenta avec Calix Moisson sont en train de se rapprocher très vivement à l'extérieur. Le 4 Oh My Days avec Camille Rossignol étant en léger retrait devant le numéro 12 Riton Prudence et Violette Allard. Et voici maintenant dans la dernière ligne droite avec Montini, Kieran Vio Fitzpatrick qui vient à la hauteur du premier, qui demeure le numéro 11 Telino Michu avec Gaston Mérienne qui essaie de se relancer, alors que le numéro 10 Shoot for the Stars est maintenant en troisième position. Le 5 Pimenta qui a très longtemps attendu progresse maintenant entre les deux concurrents de tête avec Calix Moisson et vient de plus en plus fort. Et Pimenta qui lutte toujours avec le numéro 7 Montini, et Pimenta qui a pris l'avantage maintenant, et Pimenta monté par Calix Moisson vont triompher. Deuxième place à voir entre le 10 Shoot for the Stars et le numéro 7 Montini.